Eh bien bonjour tout le monde, c'est Super Brioche. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure, un nouveau let's play sur le jeu The Last Guardian. Je ne sais pas si vous le connaissez, il a fait grand bruit lors de sa sortie, il était très attendu, mais de mon côté je ne m'y suis pas intéressé, je voulais le garder pour plus tard, le faire avec vous, donc je ne connais presque rien sur l'histoire, je connais un petit peu de gameplay. Il me semble qu'il est très fort en émotion, qu'il est très fort en contemplation, en exploration, ça va être très beau à voir, mais je ne me suis rien spoilé, donc j'ai hâte de le découvrir. Voilà, tout simplement, on va commencer une partie, et je vous propose de faire ce voyage avec moi, tout simplement. Allez, c'est parti. Ok, alors attendez, on a déjà une phase de gameplay. Ok, faut enlever tous les petits trucs. Et ça met déjà dans une sacrée ambiance, hein. J'ai l'impression de débuter un film. Inomotu otunom isarape. Aukuna awizi yeda kunam. Oota sama kaku unagu ietage. Tawak tu, Adaji Urara Boy Otoriku, Isa Uni Yu Tuti, Ona Ananatu Onis. Awinia to Onis Inarazi.
Ateitara kyak. Agimasu nom ano imi. Adama we Jones. Ateites Otado Numari. Inakuna. Ça commence super fort là. Donc on atterrit. Bon, apparemment le narrateur est. C'est le petit garçon qu'on voit, mais plus tard quoi. Et on atterrit dans une grotte, on a des marques bizarres sur la peau et surtout, il y a ça derrière nous. Donc c'est sûrement The Last Guardian, le dernier gardien. Enfin, je sais pas si c'est lui ou moi. Ça se nomme Trico, cette bête. Alors, c'est pas son prénom, je crois que c'est la race, hein. Mais bon, on va l'appeler Trico. Et il a dit que c'était des mangeurs d'hommes. C'est moi, il y a un truc là-haut. Attends. Comment je saute? Comme ça. J'ose pas trop m'approcher parce que là, il a pas l'air super sympa en plus, hein. Alors, je peux prendre ça. Oh là là, j'ai du mal avec le gameplay, hein. Tu vas te calmer, saisir. Lancer, déposer. On va lui lancer. Ouais, fallait faire ça mieux. Je sais pas comment il s'appelle, petit monsieur. Ah. Ok. Ok, j'ai compris. Se suspendre, on aurait pu tomber sans se casser la gorge. Ah, mais on peut carrément sortir de la grotte. Attendez, on va sûrement lui enlever ce couteau là. J'arrive. Doucement, t'inquiète. Don't panic. Saute dessus. Je peux sauter dessus, tout va bien. Attraper. Vas-y. Je déteste ça avec les animaux. Parce que j'ai toujours peur quand tu les soignes ou quand tu enlèves un truc comme ça, bah tu leur fais encore plus mal, donc ils te prennent pour l'agresseur, alors que tu l'aides. Et je sais pas s'ils le ressentent vraiment, ça. Ok, il s'est calmé peut-être là. Peut-être qu'il faut lui emmener le tonneau cette fois. Allez. On va lui prendre ça. Vas-y. Mais calme-toi. Chut. Dis donc. Arrête. Tiens, je te le lance. Hop. Oh, d'accord. Quoi, ça te plaît pas? Je recule. Ok. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle Papo et Yo. Je sais pas si vous avez vu ce let's play sur la chaîne. Où on avait comme ça un petit garçon et un monstre à nourrir. Et ça me rappelle ça. Alors il en veut d'autres. Est-ce qu'on peut en trouver d'autres? Ah, là-haut. Les contrôles sont assez particuliers. Enfin, je trouve la caméra peut-être est assez particulière. Je peux m'accroupir dans ces trucs ou... Ok, alors attends. Ah, tirer le levier. Ah, pardon. Allez. Voilà. Ok, tu prends. On va lui lancer dessus, encore une fois, parce que dès qu'on approche, ça lui plaît pas trop. Tiens, on peut reprendre le pieu. Doucement. Assis.
Donne la patte. Donne la patte. Oh là 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 là. Ok, très bien. Tiens. Voilà, et je recule. Mange. Tu manges ? Allez, vas-y. Allez. C'est quoi ? C'est pas bien placé ? Eh, t'es pénible, hein. Oh, t'es pénible, toi. Attends, bouge pas. Ne me pousse pas, hein. Non, de l'autre côté ! Oh, ça va aller. Allez, ça va. Franchement, tu le manges, là. Je te regarde pas. Bien. Ok, est-ce qu'il en faut encore un ? Parce qu'on en a vu un en hauteur, là-haut. Un petit dernier ? Hein ? Alors, là, quand je fais ça... Voilà, tout simplement. Ouais, c'est bon. Il me raconte toutes les phases de gameplay, sauf celle-ci. C'est bizarre, non ? Allez, hop. Hop. Je sais pas ce qu'il y a dans les tonneaux, mais ça a l'air de lui plaire. Alors. Attrape. Attrape. Voilà. J'arrive. Le miam arrive. Voilà. Hop. Atake nekastu aoizi. Inastu baby kuzi. Otrikuno. Atari new kuzi. Agizi. Bon, je pense que ça suffit. Ça suffit. Je crois qu'il faut monter sur son dos pour arracher le truc. Je vois le truc qui brille là. Ok. Tu te détends, hein. Chut. Ah mais déjà il y en a un autre de l'autre côté effectivement. Allez vas-y 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 comment. Tire. Attends, laisse-moi voir. Je vois rien là. Caméra s'il te plaît. Caméra. Ah. Eh, tu vas pas encore t'évanouir, hein, je te préviens. Non! Sérieusement? Petite nature, là. Il nous a adopté, ça y est. Elle est debout. Fais gaffe quand même, hein. On n'est pas trop à l'abri de d'un petit souci, mais je pense quand même que maintenant il nous aime bien. Il est mignon quand même, hein. Je sais pas comment on pourrait décrire ça. Appeler Tricot. Ah, il a des puces, ça gratouille. Yelio. Va falloir le détacher, c'est pas possible. C'est un gros chat à plumes avec une queue de rat. Hein? Comment je fais après, moi, pour te détacher? Là, tu vas voir que la chaîne, elle va pas vouloir te... Eh oui, t'es bloqué, là. Tu es bloqué. Oh, il s'assoit et tout, là. Ah non, c'est un gratouille. Est-ce que je peux grimper sur toi? Doucement. J'aimerais t'enlever le truc, là. Là. Non, j'ai rien demandé pour le moment. Tirez le levier, voilà.
Voilà. Tu es libre. Oh, je vais me faire mal. Non, c'est bon. Allez, viens. On va dehors. Ah, c'est pas dehors, en fait. Trinker. Oh là là, c'est cri. Ah, il va vraiment devenir attachant, hein. Viens. Viens. C'est bon. T'es plus attaché. Alors, qu'est-ce que je fais, là? Ah, il y a un tonneau. Il n'ose pas venir, j'ai l'impression. Alors, comment aller là-haut? Est-ce que c'est toi qui dois m'aider? Viens. Il ose pas sortir. Si? Ça y est. Allez, viens. On y va doucement, regarde. On y va doucement. Tu connais cet endroit, là? Ça te parle? Regarde, il y a plein de tonneaux là-haut. Mmh, des bons tonneaux. Je pense qu'il faut que je les monte dessus. Non mais, saute dessus là. Vas-y. Voilà, il mange tranquille là. Hop. Voilà. Non, il n'y a rien ici. Ah, je pensais qu'on pourrait passer, moi. Mange les tonneaux. Attention, je vais te le jeter dessus, tu vas encore faire n'importe quoi. Tiens. Oh, il l'a attrapé au vol. Ah, doucement. Mange celui d'en bas, là. Oh, mais et c'est trop bien fait. Genre, il joue avec, un petit peu, là. Allez, mange. Tu veux vraiment que ce soit moi qui te le donne? Franchement, ça me saoule parce que je suis persuadé que je peux aller là. Eh oui! Bon, je crois qu'il l'a mangé de toute façon. Alors, il y avait effectivement un passage. Par contre, là, le tricot, c'est un peu étroit pour lui. Alors, je sais pas comment je vais faire pour qu'il me rejoigne. Saute. Où est-ce que j'atterris là? Wow, qu'est-ce que c'est que cette salle? C'est très lumineux. Voilà, je l'ai énervé là. Ok. Saisir. Voilà. Alors, maintenir rond et utiliser le joystick pour orienter la tête. Oh, imagak on. Yesi, ino tugo, ye harosi, on stishiasi, ya no no tu, katnek, ye tesmatic, ino tu karikum. Oh, is it? Qu'est-ce qu'il veut que j'éclaire là? Peut-être sur la, ce que je pensais être une porte. Peut-être là. C'est de l'eau au milieu, non? Oh, il y a de l'eau. Je pense que c'est là. Non? Ou alors faut le ramener carrément avec nous. On va le ramener. Range-le. Hop. Ok, je vais bien repartir. Faut peut-être l'utiliser vers la salle où il y a tricot, en fait. Je vous jure qu'il a une drôle de façon de courir. En fait, il court trop vite. Je cours beaucoup trop vite pour un couloir aussi étroit. Alors, faut sûrement mettre la lumière du bouclier sur un truc qui va tout déclencher. Mais en tout cas, pour le moment... Oh, il fait sa petite siestoune. On est de retour. Coucou. Et la bête, elle est vraiment bien animée. J'aime beaucoup l'animation. Il y a vraiment quelque chose de sauvage. Oula.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire que tu vas m'obéir si je l'utilise? Est-ce que tu deviens méchant si je le pointe sur toi? Attendez, il doit bien y avoir un truc sur lequel le pointer. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Atune Kamikak Oso Boik Ountorikono Awiz In Isitsdak Italatu Ataduia Yewedo Moi. Ah bah je sais pas, mais ça m'a fait flipper aussi. Yewaro. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Trico! Faut pas l'utiliser sur un truc comme ça là? Tu viens? Utilise l'éclair sur. Donc, ok, ok, ok. C'est vraiment lui qui fait ça. T'as une queue de foudre, toi. C'est quoi ce travail? Bon, alors je sais pas s'il faut l'utiliser ici. Peut-être qu'il faut l'utiliser plutôt là-bas. Mais sur quoi? C'est joli, hein. Là, on est enfermé dans cette grotte, quoi. Peut-être là-bas. Coucou! Il me suit. C'est mon animal à moi. Tu peux utiliser ça là-dessus? Yes! Ok. Range-le, parce que là, il prend de la place. Tu peux nous suivre là-dedans. Allez, vas-y, toi, là! Tu fais de ces mouvements bizarres. Tu viens? Oui, il vient. Il me suit. Atatui, Ono Bumaka, Onira Kabeta, Ramiezi, Otrikuno, Yetarastezi, Ono Dak, Ahinoro Kuinozi. Alors, va falloir pas tomber, hein. Tu me suis malgré ta taille, là. T'es sûr que t'es... T'es sûr que c'est bien prudent. Oh là 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 là. Tu viens? Non, tu peux pas? Ça te gêne, peut-être? Non, t'en as absolument rien à foutre. Adieu les poteries! Bon, maintenant il m'aime, alors on va l'emmener au bout du monde. On va le sortir de cette grotte, quoi, surtout. Tu revois l'extérieur, parce que là c'est. Waouh! C'est vraiment beau le décor, j'aime beaucoup l'ambiance graphique. Allez, viens! Je pense que peut-être ton attaque peut marcher là-dessus. Alors. Sur du bois là. Ok. Alors, je sais pas si on peut le faire plus. Ouais, et en bas. Ok. Bon, on va pouvoir sauter dans l'eau, vous pensez, là? Je pense que oui. Alors, je sais pas ce qu'on a ouvert là-bas, mais il y avait l'air d'avoir un tonneau. Attends, il reste un truc encore en dessous. T'as pas assez de place, c'est ça? Attends, calmos. T'es tombé? Ah non, j'ai cru. Attends, doucement. Ne t'énerve pas, on va aller dans l'eau. Tu peux enlever ça, là? Là. Bon, on va le faire d'en bas, si ça te plaît. Attention, on y va! Tu viens pas? Attends, on va te faire descendre, je pense, avec le tonneau. Là. Oh, il a peur. Ok, alors attends. On va enlever ça. Je suis sûr que maintenant tu veux bien. Voilà, même pas mal. Et là, il y avait l'air d'avoir... Ah, une chaîne.
Tu peux t'agripper là? Voilà. De toute façon, je suis sûr que pour la bouffe, il acceptera de sauter. Oh, regarde, il y a toute une caisse de bouffe. Tu vas adorer. Voilà. Hop. Je le pousse, ça va casser la caisse. Alors, range ton foutu bouclier. Allez, allez, allez. Parfait. Ouh, hop, ça fait pas mal aux mains. Ok, donc maintenant. Prends. Et alors là, ça devrait lui plaire. On se fait un petit tas de tonneaux. Regarde ça. Le tonneau. Ça fait envie, ça. Il en faut plus, c'est ça? Je t'en apporte plus. Peut-être que pour un tonneau, il veut pas. Pour deux, peut-être pas. Mais pour trois tonneaux, n'importe qui sauterait. Allez, viens. Là. Là, t'es obligé d'adorer ça. Tu veux tout ça. Allez, allez, allez! Sinon, je les lance dans l'eau, mais je suis pas sûr, hein. Tiens. Oh yes! Wow! Oh la vague! Oh mon dieu, j'adore. Je pense qu'il faut t'amener là-bas. Je les mets dans l'eau, hein, ça te fera plaisir. Je peux descendre avec. Oui. Bien. On va là où il y a de la lumière. Les effets de lumière, d'ailleurs, sont très sympas. Voilà, il mange le deuxième. Tu viens? Tiens. C'est cadeau. Je ne raconte pas la taille de la balle si on joue à la balle. Hein. Alors, il y a de la lumière ici. Mais en fait, je suis pas sûr que ça puisse vraiment m'aider. Ah ah. Bon bah du coup, on est là. Ça te plaît? Parce qu'on peut vivre ici, hein. Il y a de l'eau. Mais on va pas aller loin. Peut-être en continuant comme ça. Il n'y a pas une petite fente dans laquelle se glisser. Un truc sur lequel taper. Ah, mais là-bas, attendez. Je pense que là-bas... Oui, on doit pouvoir monter. Dis donc, tu sais pas très bien nager, toi. Bah, il y va, en plus. Il m'a entendu. Il y a un micro sur la manette. Oh là là! Wouah! Oh, oui, on utilise sa queue pour grimper. Vas-y, vas-y! Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y! Oh là 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 là! Ça devient n'importe quoi. Oh là là, trop bien. Coucou. Je suis là. En avant! Tout droit. Bon, ok, je passe devant. Là-haut, il y a un petit trou. Par ici. On va encore monter sur toi pour aller dans le petit trou, d'accord? Tu m'en veux pas, hein? Non, reste pas assis là, viens. Viens, 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 viens. Quoique, tu veux sauter là? Ah, peut-être qu'il peut passer là. Ok. Bon, tu m'attends là, du coup. Assis.
Assis! Il écoute rien du tout. Il écoute rien du tout. Attends, doucement. On arrive dehors. Bon, nous on peut sortir, mais. Ah, mais peut-être qu'il peut carrément tout casser là. Quoi? Non mais hors de question! Casse la porte! Casse la porte, Rico! Vas-y, casse la porte! Oh oui! Mais non, viens! Tizi, Otetara Lastuzi, Ara Castacaro, Inokia, Ataduro Kutuzi, Yanomot Katunek, Aokuzi. C'est vrai qu'il a des ailes, il n'a pas l'air de pouvoir s'envoler, mais elles ont l'air très chétives hein, par rapport à la taille de la créature. Aututu, Keo no Nita, Agokuzi, Adutu Kuno, Otaze. D'accord, on est dans le nid. Coucou toi. Du coup, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on t'emmène ailleurs? Après, si c'est un nid, peut-être que tu as des petits. Ah, c'est peut-être ça en fait. Tu veux peut-être qu'on trouve tes petits? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que nous allons nous faire une petite pause ici, maintenant qu'on a retrouvé l'extérieur. On est dans une zone très bizarre, quoi, un endroit très étrange. Calme-toi. C'est très grand, je sais pas jusqu'où on doit aller, peut-être qu'on doit monter tout en haut. Je me demande si c'est pas ça qu'on va devoir faire pour retrouver notre liberté. Je pense qu'on est dans un rêve, nous, c'est un espèce de parcours initiatique. Enfin, je crois qu'il a parlé de rêve au début, enfin, il me semblait. Mais peut-être que c'est tout simplement réel et qu'on s'est retrouvé là un petit peu par hasard. Je ne sais pas trop. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Le gameplay est sympathique. Et surtout, la créature Trico est magnifique, quoi. Elle est vraiment magnifique. J'adore ses réactions, ses mouvements, enfin tout, quoi. Il est magnifique. D'accord? T'es d'accord avec nous, toi? Parce que j'imagine que vous aussi, vous l'appréciez quand même. Je pense qu'il est d'accord. Voilà, il doit vous aimer aussi. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la pouce bleuiser, c'est très important pour faire connaître la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour la suite, voilà, peut-être demain, peut-être après-demain, j'essaye de faire vite. Et puis j'espère que ça vous aura plu, voilà, à bientôt, bye bye.